J'ai mis quand même 4 mois avant de refaire surface parce que à la suite de la garde à vue, j'étais complètement effondré quand même. Choc, elle est restée prostrée pendant une semaine, elle parlait plus. Voilà, ça a été petit à petit, ça s'est amélioré. Et comme elle était enceinte, notre fille qui est née après faisait de graves convulsions, quoi. J'ai été dans une dépression énorme après. J'étais vraiment perdu. Si j'avais pas eu ma croyance en Dieu, si j'avais pas eu la prière et tout ça, à mon avis, je me serais suicidé. Je le dis franchement, parce que tout s'effondrait autour de moi. Je sentais qu'ils étaient sur moi alors que j'avais rien à me reprocher, que je pouvais même pas m'expliquer. À un moment donné, ils sont arrivés et ils sont descendus à toutes les maisons du bas et demandé les papiers à tout le monde. J'ai commencé à me sentir mal, surtout quand ils sont venus voir et qu'ils m'ont dit, bon voilà, c'est simple. Maintenant, il va falloir nous donner régulièrement des informations sur les gens qui viennent habiter dans les logements. Donc j'ai refusé. Et là, ils m'ont dit, on va vous pourrir la vie. On a tous les pouvoirs de vous pourrir la vie. Et voilà. Et à ce moment-là, donc, ils ont commencé à nous surveiller, à se cacher dans les buissons, à faire des passages en hélicoptère. Un jour, donc, à 6 h du matin, 6 h moins le quart, ils sont arrivés. Ils étaient 60 gendarmes. Ils ont frappé. Comme je mettais un peu de temps à répondre, ils sont entrés en hurlant. J'étais dans la cuisine, ils m'ont braqué avec une lampe. Le pistolet, je voyais un pistolet énorme, et en hurlant, ils m'ont dit, bouge pas, mets tes mains sur la tête, ou quelque chose comme ça. Et ils sont approchés de moi, il y avait ma femme qui était à côté, devant ma femme, ils m'ont braqué comme ça, devant ma femme, qui était tétanisée par la peur. Ils m'ont frappé, ils m'ont tordu le bras, mis par terre, un pistolet sur la tête, ils hurlaient. J'ai pu discerner un homme casqué avec un gilet pare-balles. Ils savaient bien, ils avaient des renseignements auparavant comme quoi on n'était pas armé, qu'on n'était pas. Il n'y avait aucune arme ici, donc il n'y avait pas du tout lieu de faire ça. Ils me parlaient que de religion, mes croyances, est-ce que je croyais en Dieu? Est-ce que je priais? Donc dans les bureaux, c'était l'effervescence. Il y avait notamment une gendarme qui disait que ce qu'elle voulait, c'était tous les papiers de la secte. Alors elle cherchait partout, ils jetaient tous les papiers partout. J'étais à l'heure actuelle enceinte de 5 mois. Ils m'ont mis dans un cachot pendant 3 jours, avec des conditions, bon, j'en parle pas parce que c'était, même un médecin est venu parce que c'était vraiment pas d'hygiène, manger vraiment dérisoire. On a parlé pendant plusieurs heures que de religion, mes croyances et tout ça. Mais je dois dire que le gendarme qui m'interrogeait, il est un peu tombé, ça s'est un peu dégonflé. Et qu'à force de parler avec moi, il a commencé à avoir des doutes. Et je l'ai entendu dire, je m'attendais pas à ça. Et il a commencé à douter, le gendarme. Ils voulaient que j'aille dans leur sens. Si j'allais dans leur sens, j'avais rien, j'étais une victime. Donc, moi, je ressortais d'ici quasiment le jour même, sans tracasserie ni rien, sans poursuite. Tandis que si j'étais pas une victime d'Olivier Manitara, j'étais complice. Donc, elle a signé donc je sais plus comment on appelle ça, enfin, à résidence. Immobilisée à résidence où je n'ai plus le droit de travailler, plus le droit de sortir, d'aller pointer 3 fois à la gendarmerie, donc pas le droit d'avoir des revenus, puisqu'il m'avait en fait en plus pris tout l'argent que j'avais dans mon sac à main, il m'avait bloqué tous mes comptes, enfin voilà, donc ils avaient fait en sorte que ça se passe très mal après quoi. Et donc. Après avoir pris donc tout cet argent, toute cette impossibilité de travailler du fait que j'étais gérante de l'entreprise, donc j'ai dû arrêter la gérance, ils avaient pris tous les ordinateurs, ils avaient tout pris, donc pour eux, dans leur tête, c'était clair, on arrête l'activité. Déjà, ils avaient gagné un point, c'est-à-dire qu'ils nous avaient mis en sommeil, quoi. Il y avait France 3, enfin les journalistes avec les caméras, tout ça, qui étaient dans le bureau du juge.
Et là, j'ai vu qu'il y avait un côté médiatique qui était là. Et j'ai vu qu'ils voulaient mettre en prison pour faire un côté médiatique. Alors, il y a le procureur qui est descendu, le procureur de la République, en hurlant, ça hurlait dans le tribunal. Et il disait, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Qu'est-ce que vous faites? Et il n'était pas du tout d'accord, il était en train d'incendier la juge d'instruction. Il hurlait, ils n'ont rien fait, il n'y a rien à leur reprocher. Et le procureur, en fin de compte, de la République, s'est opposé au fait que j'aille en prison, parce qu'il n'y avait rien, en fin de compte. Et donc, il y avait un conflit entre eux. Ça a bien duré 3 quarts d'heure où ils se sont insultés. Et en fin de compte, elle a dit, je ne vous mets pas en prison, mais je vous mets en prison chez vous. Donc, elle m'a assigné à résidence. Elle m'a interdit d'écrire et interdit de parler. J'avais des diffuseurs, on leur envoyait un dossier. Attention, c'est une secte, ils n'ont plus voulu de nous. On avait des libraires avec lesquels on travaille. Attention, Manitara est un gourou. Donc, ils ne voulaient plus travailler avec nous. Enfin, donc, ils ont fait tout un cheminement, la gendarmerie, de façon à ce que tout s'écarte de nous. Et les gens, ils ne cherchent pas à savoir si c'est vrai ou si c'est pas vrai, ce qu'on leur apporte. Pour eux, à partir du moment où c'est mis devant leur nez, pour eux, c'est vrai. J'ai demandé à la juge, mais en quoi j'ai abusé les gens? Qu'est-ce que j'ai commis comme abus de faiblesse? Elle a été incapable de me répondre. Même mon avocat, il m'a dit que dans toute sa carrière, il n'avait jamais vu ça. En fin de compte, pendant 3 ans, ils m'ont accusé d'abus de faiblesse, ils mettaient dans les journaux, ils étaient incapables de répondre. Qu'est-ce que j'avais fait réellement, pénalement? Alors, en définitive, elle m'a dit, c'est vos conférences. On vous reproche les discours que vous tenez dans vos conférences, les propos que je tenais dans mes conférences. Voilà. Quand ils nous ont interrogés, ou ils nous ont fait passer, je ne sais pas combien, 8 heures ou 9 heures debout à la barre, ils nous ont insultés, ou j'ai été à même à un moment donné obligée de crier pour expliquer, quand on m'accusait de quelque chose, en principe, on a un certain temps pour répondre à la question. Là, c'était, vous êtes accusé de ça, je commençais à parler, je disais 4 mots. Oui, mais vous essayez toujours de vous défendre. On sait que vous êtes une secte. Ça sert à rien de prouver. Alors je leur explique que j'ai des papiers qui prouvent que je suis innocente de ce qu'ils m'accusent. Oui, mais ça, c'est pas vrai. Alors là, donc les avocats à ce moment-là interviennent et disent que bon, c'est carrément la discrimination et tout ça. Et en fait, bon, tout l'interrogation, ça a été comme tout l'interrogatoire a été comme ça. C'est-à-dire qu'on avait des chefs d'accusation. Dès qu'on voulait se défendre, il fallait soit hurler. Alors ceux qui n'hurlaient pas, donc ne pouvaient pas répondre. Et donc le thème, c'était vous êtes une secte. Il n'y a rien à dire de plus, c'est que voilà, vous êtes fichés comme ça. Et il n'y a pas d'excuse à toutes vos revendications, à tous les chefs d'accusation, vous n'avez pas d'excuse. Il faut savoir qu'il n'y a eu aucune plainte, aucun plaignant, que même tout au long de l'interrogatoire, il n'y a même eu aucune plainte, rien contre nous en tout cas, qui pourrait étayer leur dire ou leurs accusations, rien de tout ça. Mais vraiment rien, quoi. J'ai vu la des filles ou des gens comme ça qui disaient dans les journaux, donc ils l'ont écrit, qu'ils demandaient des subventions pour avoir des bureaux dans l'Aveyron, qui n'avaient pas assez de moyens. Et ils disaient que ça faisait longtemps qu'ils demandaient au préfet de détruire, voilà les mots, de détruire cette maison d'édition. Ils n'avaient aucune plainte, ils n'avaient que les écrits des livres, et on n'avait pas de contrôle fiscal, on n'avait pas de problème avec l'administration, tout ça, il n'y avait aucun souci là-dessus. Et au jour d'aujourd'hui, donc en fait, ils m'accusent juste d'abus de biens sociaux, qui n'est pas du tout prouvé, donc en fait, on a refait appel par rapport à ça. Et les autres sont accusés d'escroquerie aux assédics. Finalement, donc, la conclusion de tout ça, ils ont dépensé une fortune énorme à déployer 60 gendarmes, à faire 3 ans d'interrogatoire, des survols en hélicoptère, des interrogatoires dans toute la France avec tous nos clients, les personnes qui venaient au stage,
pour rien du tout. Moi, ce que j'ai fait après, c'est que j'ai dû aller voir tous mes voisins, les entourages, les commerçants et tout, pour leur demander de me faire un papier en disant, dites-leur que nous avons des relations normales et que nous sommes des gens normaux.